Bonjour, nous sommes le jeudi 26 juin et je voudrais simplement vous faire part de l'idée de pouvoir donner envie, inciter les professeurs à utiliser la plateforme. Donc l'originalité sera bien sûr de pouvoir utiliser les invités que nous avons, c'est-à-dire toutes les personnes que nous accueillons à déjeuner et de pouvoir créer une interview à partir de leur témoignage, donc de ces invités. Ensuite, ce qui sera important, c'est aussi de pouvoir, une fois d'abord de préparer l'interview, et ça ce sera donc le travail d'Hélène, de pouvoir donc tranquillement avec les professeurs écrire une série de petites questions en fonction de l'invité que nous aurons. Puis ensuite, nous ferons l'enregistrement de ces personnes au fur et à mesure, tout en sachant donc que ces personnes seront interviewées donc petit à petit. Une fois que l'interview aura été faite, il faudra bien entendu le publier sur Internet. Et puis ensuite, le lendemain, Hélène pourra, à partir de ce matériel authentique, créer des exercices, du matériel de cours, une exploitation pédagogique. À partir du moment où cette exploitation pédagogique aura été faite, moi je pourrai donc utiliser ce travail qui aura été fait sur papier entre les profs. Je leur donnerai la possibilité de pouvoir le programmer sur la plateforme. Donc il faudra bien entendu en priorité des exercices, style par exemple choix multiples. Hein, ça c'est souvent ce qui passe le mieux. Ce qui pourrait être aussi intéressant, je pense, c'est de leur donner la possibilité de pouvoir eux-mêmes ensuite donc programmer, jouer ce rôle de programmateur. Voir comme c'est facile en fait, c'est une question vraiment de pratique, et qu'ils pourraient éventuellement se dire, mais puisque nous on y arrive si facilement, pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas utiliser le même principe avec nos élèves? Demander à nos élèves avec leur iPad de créer donc un petit film avec un scénario, des dialogues, et ensuite de créer des exercices.